Ok. Vous étiez sorti avec Foromon. Oui. Est-ce que vous étiez avec votre téléphone? Hein? Est-ce que vous étiez avec un téléphone ce jour? Je ne me souviens pas avec ce toy-là. Mais ce que je vais vous rassurer, pour éclairer ce passage, monsieur le président, c'est de demander les leaders que j'ai cités. Parce que tout ça, il y a trop de questions. Demandez les leaders cités. Non, non, non. Avant qui était leaders, dans le véhicule? Non, avant, avant les leaders, je ne suis même pas encore arrivé au niveau du stade. Puis après, donc. D'accord. C'est-à-dire, je suis sur le parcours du camp au stade. Ouais. Vous n'étiez qu'avec Foromon. C'est de ça que je parle, oui. Oui, à part lui, personne. À part lui, personne. D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas cherché à savoir si le président était exactement dans le stade ou non? À travers un téléphone, la communication avec Foromon. Non. Qu'est-ce que vous êtes dit? C'est le commandant. Un silence radio dans la voiture entre Foromon et le commandant du salon, dès que je le vois, je sais. Je connais la garde du salon. Dès que je les vois, je sais. Je connais le dispositif du salon, du départ. Les 12-7 dont vous faites allusion, c'est que les 12-7, le dispositif de sortie, je connais. Ce n'est pas caché. Si je voyais seulement, je savais. Non seulement il n'y avait pas ça, mais le commandant du salon n'était pas. Je n'ai pas remarqué. Moi, je suis parti. C'est Marcel que j'ai vu. Où est-ce que vous avez vu Marcel? Dans la circulation? La journée là, oui. Quand vous avez quitté le camp, quand nous avons quitté le camp pour le stade, oui. Je l'ai vu à 3 reprises. Oui. À Madina. Oui. Après Gamal, peu devant là, là où se trouvent les photocopiers. Deux. Et lorsqu'ils étaient venus à la clinique. D'accord. Voilà. Mais également à l'intérieur du stade, 4. Voilà. Voilà. Très bien. Marcel et vous, oui. Qui est arrivé en premier sur les lieux? Sur le lieu. Au stade. Disons maintenant au stade, c'est Marcel le premier. Marcel le premier. Le premier. Vous êtes arrivé à quel moment? 5 minutes plus tard? Non, c'est-à-dire, moi je vous ai dit, j'étais arrivé jusqu'à là au niveau des photocopieuses. Je suis garé là-bas. J'ai dit qu'il n'y avait pas passage. Devant, il n'y avait pas passage. C'est là et ils sont arrivés me trouver là-bas. Marcel. Voilà, et le groupe là. D'accord. Ils ont commencé à tirer. Je suis parti vers eux pour leur dire qui vous dit de tirer. Non, attendez. J'ai dit Marcel m'a dépassé comme s'il ne me connaissait pas. Attendez. D'accord. Donc, vous étiez arrivé le premier au stade par rapport à Marcel. Vous avez défini le stade. C'est-à-dire, vous avez défini le stade. C'est pour ça que je vous explique. Si vous parlez le stade, il est arrivé, lui, le premier là-bas. Ok. Voilà. Où est-ce qu'il vous a trouvé? Dans l'enceinte du stade. Hein? Dans l'enceinte du stade. Non. L'enceinte du stade, maintenant, lui, on n'était plus dans le même programme. Je vous ai dit, il m'a dépassé comme s'il ne me connaissait pas. Donc, ils sont partis en courant. Où est-ce qu'il vous a dépassé? C'est de ça que je parle. Là, depuis là où sont les cafés, là, maître. Aux alentours du stade. Aux alentours du stade, à côté. Quand vous quittez Gamal, là. D'accord. Est-ce que vous n'étiez pas en train de les attendre? C'est une question. Non, mais vous répondez. Je ne les attendais pas. Je suis d'accord. Voilà, vous répondez. D'accord, on est d'accord. Est-ce que vous n'étiez pas en train de les non, attendre? Non. J'ai dit, il n'y avait pas passage devant. Ok. J'ai dit ça. Où est-ce qu'il y avait un passage? Oui, allez-y, expliquez. Si je devais avancer, je vous ai dit, qu'est-ce qui se passait devant? Il y avait un tumulte. Donc, j'ai pas pu, voilà, c'est ce qui m'a. J'ai dit également, avant Gamal, là, il y a une rielle qui descend, je voulais emprunter même là-bas. Bien. Hein? Voilà. Monsieur Diakité. Voilà. Avec la permission du président, je
vais donc lire un passage de votre interrogatoire. Et je me réjouis que vous ayez dit que nous devons faire confiance aux autorités judiciaires, n'est-ce pas? D'accord. De notre pays. Alors, devant les magistrats instructeurs, voici ce que vous aviez dit. Je crois que c'est à la page 6. Oui, effectivement. J'ai décidé de continuer en ville. Faute de passage au pont du 8 novembre, où se trouvaient le lieutenant Georges et ses hommes, j'ai pris la route de Cameroun. À cet instant, j'ai aperçu Marcel et ses hommes venir derrière moi, du côté de l'autoroute, à bord des camions et des pick-up. En face de l'université, la route était bloquée et des pneus brûlaient. C'est là que Marcel et ses hommes m'ont rejoint. C'est là que Marcel et ses hommes m'ont rejoint. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Voilà, je n'ai rien changé. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Merci, c'est bon. Vous n'avez rien changé. Merci. Je poursuis. À leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. C'est bien cela? C'est ça, jusqu'à maintenant. Parce qu'effectivement, ils devaient rejoindre leur commandant, Touba. Donc, on va prendre, hein, selon oui les... ou non? Non, prenons les mots selon alors les synonymes. D'accord. Parce que vous pouvez appeler rejoindre là autrement. Edouard. Ils sont arrivés. Et rejoindre, ça c'est, voilà. Mais ils devaient vous rejoindre, effectivement. Non, on n'est pas dans le même programme. C'est à cause de ça, effectivement, que Marcel vous appelait au camp. Oui ou non? Non, 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 non. Peut-être que vous n'avez pas voulu les suivre. Non, non, non. Et que finalement, puisque eux, malgré tout, vous avez... Eux, ils ont quitté. Non, non. Se sont certainement dit, bon, si lui ne va pas, nous allons partir. C'est que je vous explique, c'est ça. Vous avez dû vous dire, je vais les rejoindre. La question, maître. D'accord, je continue. Merci, monsieur le président. C'est pas le même programme. Je continue. J'ai donné l'ordre de cesser immédiatement les tirs. C'est bien cela? C'est ce que j'ai expliqué ici. Je ne sais pas par quel français on écrit. Moi, oui je vous non, explique. Oui ou non, je ne parle pas bon, de j'ai dit, français. Ce que j'ai dit ici, oui. Monsieur Gakite, le commencement. Monsieur Gakite, voilà. S'il maître, vous plaît, oui. Attendez de bien comprendre la question. D'accord. Ne parlez pas tant qu'on ne vous pose merci, pas la question. Merci, maître. En fait, vous, merci avez le droit, le vous avez le droit de dire que vous ne répondiez pas. Merci, maître. Hein? Merci, et maître. En ce moment, merci, le tribunal maître. Va apprécier. Merci, mais merci. Mais répondez aux questions. Merci beaucoup, voilà. Monsieur le Président. Allez-y, maître. J'ai donné l'ordre de cesser immédiatement les tirs. C'est bien vrai? J'ai dit qui vous a dit de tirer. J'ai lu ce qui a été écrit ou ce qui est écrit dans votre PV d'interrogatoire. Voilà, prenez maître ce que je vous dis ici. J'ai dit ce qui vous a dit de tirer. Ils ne m'ont pas écouté, ils m'ont dépassé comme s'ils ne me connaissaient pas. Vous n'aviez pas donné d'ordre de cesser le feu, de cesser les tirs? Moi, si c'est mes hommes, l'ordre je donne, ils arrêtent. Ce ne sont pas mes hommes. Pourtant, c'est ce que vous aviez dit devant les juges d'instruction. Non, ne regardez pas votre avocat, maître, s'il vous plaît. Vous lui soufflez des réponses. Ça, c'est pas... Mais j'ai déjà fini de répondre. Il n'a pas soufflé. J'ai dit, ce ne sont pas mes hommes. J'ai défini mes hommes. Non, j'ai compris. J'ai quitté là-bas. Et je n'ai pas donné l'ordre. D'accord. L'ordre suppose qu'ils t'obéissent. Ce que j'ai dit, qui vous a dit de tirer? Et c'est devant Dieu, c'est ce qui est sorti de ma bouche. Mais c'est ils pas m'ont ce dépassé. Qui... Ils m'ont dépassé comme s'ils ne me connaissaient pas. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Ce que j'ai dit ici, là. D'accord. Devant la cour. D'accord. C'est ça. D'accord. À partir du stade, vous êtes venu
Les Marcel vous ont rejoint. Ils ne m'ont pas rejoint. D'accord. Les Marcel sont venus vous trouver. Ils sont venus dans leur programme. D'accord. On n'était pas ensemble. D'accord. Avant leur entrée dans le stade, est-ce que ça criait, est-ce que ça tirait dans le stade? Peut-être d'autres vont expliquer ça. Moi, je ne savais pas. Non, mais c'est ce à vous que j'ai constaté, c'est ce que je vous ai dit. J'ai déjà répondu ça. Est-ce que ça tirait dans le stade avant que les Marcel n'y entrent? Si les tirs se superposent, c'est difficile de distinguer ça. Est-ce que vous aviez entendu des tirs ce jour avant, puisque vous êtes arrivé, vous n'avez pas pu continuer, vous n'étiez pas distant du stade. Si ça tire dans le stade étant aux alentours, vous allez entendre, n'est-ce pas? Ça dépend. Oui, mais est-ce que ce jour, à votre arrivée, est-ce que vous aviez entendu des tirs? Quand les Marcel sont arrivés, j'ai entendu des tirs. Avant l'arrivée des Marcel, est-ce que vous aviez entendu des tirs? Quand les Marcel sont arrivés, j'ai entendu des tirs. Monsieur Gakité, ce qu'il veut savoir, c'est avant l'arrivée de Marcel, c'est ce qu'il demande. Moi, je ne vais pas mentir. Il se pourrait que d'autres tiraient. Là-bas, c'est que je ne vais pas mentir. Est-ce que vous avez entendu des tirs? C'est ce qu'il veut savoir. Moi, je n'ai pas entendu. Très bien.